trois applications pour les pros en informatique. Ici toujours Iska, merci d'avoir rejoint cette vidéo. Comme noté, je vais donc te présenter trois fantastiques applications qui vont te permettre de faire évoluer ton niveau en informatique en très peu de temps. Alors avant de passer à ceci, moi je t'invite tout simplement de t'abonner à la chaîne si tu es nouveau sur ma chaîne pour ne rien rater comme notification, les prochaines vidéos qui seront publiées sur ma chaîne. Et rassure-toi bien de d'activer la cloche pour ne rien rater du tout. Ok, si cela est frais, est fait, cela est accompli, nous pouvons passer à ces trois applications que j'ai réservées pour toi. Nous avons pour Acas, YouTube Stream et Pixel Keynote. Ok, donc nous allons commencer là par Pixel Keynote. C'est quoi Pixel Keynote? Pixel Keynote, c'est une application qui va te permettre de transmettre des messages secrets à travers des images. Alors, de son nom Pixel Keynote et de ce que je viens de dire, pour ceux qui se connaissent un peu en informatique, vont directement comprendre que c'est une application tout simplement qui est dérivée de cette technique plus développée du système hacking, ok, que nous allons pas du tout parler dans cette vidéo, ok. Alors, Pixel Keynote, comme je viens de dire, ça va te permettre de transférer des messages secrètement à travers des images de ton choix que tu vas coder. Déjà, comment avoir Pixel Keynote? Comme d'habitude, on se rend tout simplement ici dans Play Store et assure-toi que tu te retrouves, si tu veux, sur la page d'accueil de Play Store. Tu notes très bien, comme tu peux le voir ici, Pixel Keynote. Normalement, ça va t'afficher ces trois applications. Ça dépend toujours de quand tu regardes la vidéo. Et en tout cas, rassure-toi d'installer cette application et puis tu te retournes sur ton écran d'accueil. Tu peux le voir ici. Et puis nous rentrons dans l'application. Une fois dans l'application, ce que tu vois ici, ce sont des images que moi je viens de capturer tout à l'heure pour ne tout simplement pas montrer mes propres images personnelles sur l'écran. Ok, ce sont des backgrounds. Black background shooting, ok? Donc, une fois ici, ne te prends pas la tête, tu choisis tout simplement une image de ton choix, ok? Une fois là, on va te demander tout simplement de rédiger ton message secret, ok? Qu'est-ce que nous allons noter? Ok. Bonjour, poteau. Rassure-toi, d'aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Ok, ouais, je sais à quoi tu penses maintenant là. À la chaîne, ok? En tout cas, tu rédiges tout ce que tu veux à toi de voir là-bas. Après, tu cliques sur ce bouton et c'est ici que ça devient encore plus intéressant. Ça te permet de forcément même de définir un mot de passe. On se prend pas la tête, on met tout simplement mot de passe. Tu peux voir ton mot de passe à travers ce petit œil ici. Tu vois ton mot de passe. Tu te rassures de bien noter ton mot de passe. Après, tu peux cliquer ici, ok? Tu cliques là. Je sais que nous avons okay, le E. Tu cliques là, mot de passe. Et puis, ça va juste prendre un peu de temps, ok, d'enregistrer tout ça. Après l'enregistrement, ils vont te présenter ton image qui est tout prêt avec le message. Toi, tu connais déjà ton mot de passe. Et puis, à toi de l'utiliser comme tu veux. Tu pourras partager l'image, ils vont te présenter tout ça via Bluetooth, Facebook. Oh, désolé. Ok, on m'amène le message que le message est prêt. Ok, il suffit de toquer ici pour envoyer le message. Comme je disais tout à l'heure, tu peux envoyer ton image plus
ton message secret à travers Bluetooth, Drive, Gmail, Facebook. Ok, tu peux même l'utiliser comme profile picture. Ok, maintenant à toi de voir à l'envoyer à qui tu veux. Tu peux même l'envoyer, ça devient encore plus intéressant si tu l'envoies dans un groupe. Puis tu donnes le mot de passe à quelques personnes à qui tu aimerais, aux personnes que tu aimes, dont tu aimerais qu'ils découvrent le message qui se trouve à l'intérieur de cette image, tout simplement. Alors, seules les personnes forcément qui détiennent le mot de passe du message pourront voir le message qui s'y trouve. Ok, donc les personnes même déjà qui ne savent pas que cette image contient un message ne vont même pas se rendre compte. Il suffit de l'essayer là-bas. Moi, je ne vais pas pouvoir l'essayer parce que nous sommes sur un seul écran. Si j'essaye de faire ceci, ça va prendre du temps et plutôt ça. Je crois que tu es vraiment capable d'essayer ça là-bas tout seul. Tu pourras le faire avec un ami et puis voir comment ça marche. Et après ceci, tu pourras revenir nous dire comment ça marche et si ça a bien fonctionné. Ok, j'attends vraiment un commentaire de ta part. Me dire que, ouais, Iska, oui, Siaga, oui, ça a bien marché ton application. Pas ton application, l'application que tu nous as présentée. Encore, je compte sur toi. Et j'espère bien que cette première application, Pixel Keynote, t'a plu. Donc, merci Pixel Keynote. Nous allons passer ensuite sur YouTube Stream. Comment avoir YouTube Stream de la même façon que tu rentres dans Google Play Store. Ok. Tu mets là Stream. Il suffit juste de mettre Stream. Tu mets Stream. Ok. C'est ça, Stream. C'est là YouTube Stream. Tu te rassures que tu as installé YouTube Stream et puis tu te rends sur ton écran. Une fois sur ton écran, tu peux appuyer sur YouTube Stream. C'est quoi YouTube Stream? Ça va tout simplement te permettre d'écouter des audios, de regarder des vidéos en dehors de l'application. En dehors de l'application, ok? Et comme tu peux le voir sur l'écran, tu vas me dire, oh oui, mais c'est quoi ça? Il y a des publicités. Ouais, il y a des publicités. Mais il faut avouer que actuellement sur Internet, ce n'est pas tout qu'on offre cadeau, ok? Le plus important ici, c'est que tu es vraiment, il y a quand même le minimum, ok? Tu vas pas dire que c'est nul, ok? Tu pourras appuyer ici pour écouter ce que tu veux, ou bien tu viens là, tu vas démarrer radio, tu vas voir la vidéo qui s'affiche en mode radio ici. Et ce qui est intéressant, ce que je disais, tu peux te retourner faire. Tu peux te retourner faire ce que tu veux. Tu fais ton business. Tu peux le déplacer là. Tu fais tout ce que tu veux, tout en écoutant l'audio ou la vidéo. Faire tout ce que tu veux. Ok. Tu peux venir encore là. Tu peux partager ceci, ok? Tu peux partager là. Tu peux faire quoi encore? Ce sont des recommandations. Tu peux la visionner dans YouTube, ok? Ce sont des links vers Shopify, mais on s'en fout de tout ceci. En tout cas, moi, je m'en fous, ok? Tu peux te retourner là. Ok, simple à supprimer. Tu reviens dans Stream, ok? Tu as là des paramètres, tout ce que tu peux faire. Stop pub. Si tu viens dans Stop pub, ils vont te demander de payer sans doute. Il y a tous les paramètres ici que tu pourras utiliser, ok? Donc, voici tout ce que tu peux faire avec Stream. Tu pourras t'amuser avec tout ceci. Il y a ici recherche, tu pourras rechercher des musiques, des vidéos. Il y a ma musique ici, tous tes favoris, tout ça, ok? Là, tu vas découvrir. Ok, voici ce qui sera pour YouTube Stream. J'espère que cette seconde application aussi t'a plu, ok? N'hésite pas de me le noter dans les commentaires, ok? Et sans plus tarder, nous allons passer pour la troisième application qui est ProHackers. C'est quoi ProHackers? Déjà, comment avoir cette application?
Comme d'habitude, tout simplement, je rentre dans Play Store. Dans Play Store, tu mets tout simplement Pro Hacking Tutorials. Et là, en première position, tu as Pro Hacking Tutorials, ok? Tu te rassures encore une fois que tu as installé cette application, ok? Après ceci, tu peux appuyer sur Pro Hacker. C'est quoi Pro Hacker? À quoi ça sert? Cette application va tout simplement te permettre de découvrir plein de leçons en informatique. En tout cas, toutes les nouvelles sur l'informatique, toutes les nouvelles déjà sur l'informatique et puis des tutoriels en format écrit, ok? Tu pourras apprendre plein de choses. Et je sais que tu vas me dire, ah, oh, mais c'est quoi ça encore? C'est en anglais ton truc. Ok, c'est en anglais. Mais si tu es vraiment intéressé, tu pourras gérer tout ceci, ok? Tu pourras apprendre plein de choses. Je vais te donner une méthode qui va te permettre de traduire tout ça, ok? Là, tu as Ask Hackers, Basics, Beginners, Advanced. Ok, tu pourras découvrir tout ça. Et encore, tu vas me dire, oui, il y a de la publicité ici. C'est vrai, il y a de la publicité. Mais si tu es intéressé, si tu veux apprendre, il y a plein de leçons dans cette application. Tu pourras découvrir plein de leçons, plein de trucs. Il faut vraiment fermer les yeux sur ceci. Ok? Donc, je disais, je vais te donner une méthode qui va te permettre de traduire ceci. Si tu es vraiment intéressé, si tu n'es pas capable de comprendre tout ceci en anglais, regarde, là, on te dit Facebook account, without password, step by step, 2017. Cet article va tout simplement te permettre, comme tu peux le comprendre, pirater n'importe quel Facebook, compte Facebook. Est-ce que je l'ai utilisé? Non, je ne l'ai pas utilisé. Ok, tu pourras l'utiliser si tu es intéressé. Tu pourras nous dire encore après les résultats que tu as obtenus. Donc, ce que je disais, il suffit juste de copier tout ce qui t'intéresse. Ok, tu copies tout ce qui t'intéresse. Tu te retournes là, tu viens chez Google. Tu dis à Google English to French. Ok. Tu dis à Google English to French. Google va t'amener ce traducteur de texte de l'anglais vers le français. OK? Et puis tu pourras coller ton texte ici. Google va gentiment te traduire tout ce que tu as à savoir. OK? On te dit suivez les étapes suivantes pour arrête instantanément un compte Facebook. Voici les étapes à suivre. Tu mets tout ce que tu as à traduire. Google va te traduire ceci. Et c'est vrai que Google ne va pas te traduire ceci parfaitement comme tu veux, mais à toi de comprendre ce qu'ils veulent dire. OK? Donc, c'est vraiment ceci. Si tu es intéressé, tu pourras découvrir plein de choses, plein de choses. Imagine que tu découvres 5 leçons par jour à travers cette application. En tout cas, si tu es intéressé, si tu es motivé, tu pourras apprendre plein de choses sur l'informatique. Et en bonus, on ne peut pas parler d'application sans parler d'antivirus. Comme antivirus, moi, j'utilise allez, ok, comme antivirus, moi j'utilise AVG. C'est encore une version gratuite que j'utilise, ok? Donc forcément, il y a la publicité, mais ça ne m'empêche pas de l'utiliser, de me protéger. À chaque fois, on m'envoie des conseils d'analyse, ok, qui m'aident à protéger mon appareil. Si tout ceci m'aide avec la version gratuite, ça veut dire que normalement ça doit forcément t'aider toi aussi. Si tu es motivé et intéressé, tu peux utiliser ces applications et faire en tout ce que tu veux. Donc,
Sur ce, on va se laisser. J'espère que tout ceci t'a plu et va t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas de liker la vidéo, n'hésite pas de la partager, de nous la commenter. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, assure-toi de la faire avant de quitter, d'activer la cloche pour ne rien rater dans le futur. Ok, tout ce qui est vidéo prochaine. Ok, donc tout le plaisir a été pour moi, Iska. Je dis rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.